Eh bien, re-salut Loulou, toujours Exoesquad, toujours dispo, toujours chaud pour du Beyond to Soul. Et voilà, donc c'est ici. Même c'est ta faute si on a des ennuis, alors arrête! Non, c'est pas de ma faute. Oh, j'ai rien fait. Il remplace le docteur Matthews, c'est lui qui va s'occuper de toi à partir de maintenant. Il a l'air très gentil. Vas-y, il veut te rencontrer. Allez, dépêche-toi. Je t'attends ici, trésor. Bonjour, Jody. Approche. Je m'appelle Nathan. Nathan Dawkins. Je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'on discute, toi et moi, pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux. Enfin, si ça ne t'embête pas trop, bien sûr. Oui, ben excusez-moi, mais moi, personnellement, ça m'embête de discuter avec l'acteur qui a interprété le bouffon vert dans Spider-Man et dans d'autres films. Bref. Bon, ben on va quand même discuter avec lui, on va voir s'il est... S'il est fou allié. Y'a quoi là? Y'a quelque chose qui brille là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh. Mais. Ah! Merci. Ça te plaît? Je te la donne si tu veux. Jody, tu vois, mon travail, c'est d'étudier les événements bizarres et d'essayer de les comprendre. Comme les choses qui arrivent autour de toi. Tu vois, Jody? Ta maman m'a raconté que tu avais un ami invisible. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est avec toi, cet ami? Depuis ta naissance? C'est un fantôme? Ou alors l'esprit de quelqu'un qui serait décédé? Est-ce que tu peux le dessiner? Ça t'ennuie si je regarde? Alors, cette chose, c'est ton ami, et il est relié à toi avec une espèce de cordon? Est-ce qu'il est avec nous? Tu peux lui demander de faire quelque chose? Alors... Allez, casse tout, Aiden! Tu lui dis ce qu'il doit faire et il obéit? Non, je dis pas à Aiden ce qu'il doit faire. Il décide tout seul. Il est comme un lion en cage. On est attachés tous les deux. Il peut pas s'en aller. Et ça le met très en colère. C'est pas de ma faute. Je voudrais qu'il parte, moi aussi. Il y a des fois où il peut vraiment faire très peur. Est-ce que c'est lui qui t'a fait ça? Non. C'était les monstres.
Ta chambre. Tu étudieras et dormiras ici pendant 3 ans. Ta formation commence demain à 5h. Sois à l'heure. Waouh. Attention. Yeah, 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 X, 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 X. So. Ok, d'accord. Faut que je saute ça ou faut que je passe par en dessous? Ah, putain. Ça va, j'ai pas fait exprès, je pensais qu'il fallait sauter aussi, moi. Ah, le joueur a toujours fait des erreurs, hein. Allez, ma grande. Allez, ma petite Jodie. C'est ça, Holmes. Continue. Je sais pas toute la journée. Et tu vas te remettre à couvert. Ok? D'accord. Dégage de là. D'accord, d'accord. Oula, ça, c'est quand même en QTE, ça. Allez vite, remets-toi à couvert. Qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah d'accord, fallait parler. Hop. Allez, vas-y. Ah putain. À couvert. Allez vite, remets-toi à couvert. Mais ta gueule, je me mets à couvert, connard. Jetez un coup d'œil. Ouais, merci monsieur. Merci. Merci monsieur Miller. Excellent, Johnny. Ok, recrue. Débarrasse-toi de ces barils de pétrole. On va rester être... Putain, il faut tout se faire là. Je suis là. Allez. Bien. On continue.
Ah, c'est en bas, hein. Tu m'aurais dit c'était en haut, j'aurais dit... Oh oui, le gros bouti. Ça c'est du bouti, mine de rien. Oui, oui, le bouti va se bouger, vous inquiétez pas, monsieur. Je vais faire en sorte qu'il bouge, qu'il swing et qu'il groompe. Ouais, j'ai votre démo, je sais. Allez, vas-y, ma Jody, t'es la best. Oui, monsieur. Hop. 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 Vas-y, Jody. You can do it. Vas-y, ma belle. Ah. Putain, mais c'est chaud ça. Attendez. Putain, c'est relou pour faire ça. Attendez, faut y aller doucement. Donc on met un joystick dessus. Voilà. Voilà. Pas mal. Ça va être chaud. D'accord, tu les donnes pour les faire la garde. Salut! Ah, oh, c'est des coups gratuits, ça. Ah, oh, il est quand même stylé, hein, quand il est comme ça. On va aller par là, parce qu'apparemment, on n'a pas trop chaud, de toute façon. Salut! Elle a un mode Sam-Fichette, elle. Là. On peut passer en dessous? Passer en dessous? Oh, c'est dommage ça. Mm-hmm. Voilà. C'est par là. Je peux monter à l'échelle. Ah ouais, je peux monter à l'échelle. Tac 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 tac. Oh, elle est stylée en militaire quand même. Comment je fais mon compte, moi?
Vas-y ma poule. Bim. Pas mal, Jodie. Mais si c'était pas un exercice, tu serais déjà morte. Si c'était pas un exercice, tu serais même pas capable d'ouvrir ta grande gueule, Ryan. Félicitations, agent Holmes. T'as réussi. Bienvenue à l'agence. Merci, monsieur. Ouais, Jodie. Bienvenue à l'agence. Eh ben, directeur, très ici. Bon boulot, Johnny. Toutes mes félicitations. Non, Aiden, il veut jouer. Eh, monsieur, fait chaud, hein? Fait froid, tout d'un coup, hein? Vas-y, mon petit Aiden. Par contre, c'est bizarre, vous trouvez pas, la façon dont t'es narré le truc? Enfin, je sais pas pour vous, mais ça me fait bizarre, moi. Et voilà, y'a plus de café! Ah, il a ramassé son café, ce con. Non, ça marche pas. Ah, je suis un spectre. Ah. On va s'arrêter là? Ah, on s'arrête. Bonsoir. Madame, retournez à votre place, s'il vous plaît. Merde, c'est elle! C'est elle! QTE style! Allez vite, ma belle! Aux aides, la police! Allez! Lâche-moi, petit con, là! Coup de boule dans tes dents! Parce qu'une femme, ça peut être dangereux! Oui, ça va très bien. Thank you.
Vas-y, cours! Cours! Regarde, lui veut que tu le tapes. Bim! Kung Fu. Hein? Comment ça, je me suis loupé? Fallait pas que je mette un coup à la gueule? Ah non, c'est vers le bas, d'accord. Putain, c'est pas facile apparemment pour voir exactement où ce qu'il faut taper, hein. Bon, c'est pas grave, on va faire quelques QTE, mais bon. Cours! Fonce! Swing comme le vent! Bien rester par terre, moi. On peut même pas voir son bouti avec ce. Oui, je sais. Il faut qu'on sorte d'ici avant qu'ils reviennent. Ou alors on tue tout le monde. Ça peut être sympa de tuer tout le monde aussi. Enfin, ça, c'est plus dans mon caractère, quoi. Allez, c'est l'heure du sprint. Enfin le sprint et surtout essaie de ne pas te gauler en tombant quoi. Attention, c'est une branche. On saute. C'est bon, on va en bas. On va en bas. Oh, je vois plus grand chose là. Ah non. Ah non, c'était bon. C'était bien ça. On se balade dans les bois. Alors ça n'a pas changé, c'est comme ça. Ouais. Allez ma poule. Ouais, vous m'entendez spammer ma touche, je sais. Mais bon, c'est pas trop le choix là aussi. Hein. Comment ça là? Je suis pas dans la rivière. Vous vous trompez de personne. C'est un caribou sauvage que vous avez vu dans la rivière. Allez, vas-y ma belle. Bouge ton cul. Et cours! Bon, là ça va être le marrant, ça va être marrant parce qu'on va pas savoir où il faut aller comme d'habitude. Moi je dirais à droite, je pense que je vais reprendre le même chemin que j'avais pris dans la démo. Voilà, peut-être à droite ici, hop. Ah là, j'arrivais devant une montagne, je parie. À droite. Merde. Ah!
pauvre toutou. Ah, par là, par là, par là, par là, par là, par là. Tu vois quelque chose? Ah! Merde! Si je me corrige dans les boutons, ça va pas le faire. Alors R2. L. Ah putain! Non, ça je suis pas gouré, ça va. Alors. Par là. L2, je me gourre pas. R2, je me gourre pas. En haut, je me gourre pas. On s'en fout que tu vois que dalle. Laissez-moi en vie, bande de biatch! Bon. Je suis discret. Je suis une ombre. Tu vois quelque chose? Il n'y a que des rochers. Non, elle aurait jamais pu grimper là-haut. Merde. On a dû la rater. Travis, rappelle-moi tout de suite ces saloperies de clébards. Pas bien insulter les chiens. Allez hop! Plus vite! Allez. Oui, vas-y, Aiden. On va aller faire comme dans la démo et prier qu'il n'y ait pas un bug. Bonjour, monsieur. Une moto. Pile ce qu'il me faut. Je vais te posséder. Jeu blanc style. Allez. C'est ça que je veux ouvrir. Putain, Mike! Qu'est-ce qui te prend? Quoi? T'es cinglé? Pousse-moi tout de suite ce putain de flingue! Hé! Hey, tu peux me dire ce que tu fous là? Allez, Mike! Ça suffit! T'as pété un câble? Yeah, la moto! Comment est-ce qu'on éteint la lumière encore? Ouh, maman! J'ai bien failli me prendre un truc là. C'est marrant qu'il y ait un trophée style respecter la... la vitesse limite autorisée. Ça aurait été drôle ça. Ah, je contrôle plus rien. C'est moi qui conduis la moto! Non, pas de touche! Non, mais lâche-moi là! Oh! Stop là! On se calme! Bande de biatch là, oh! Laissez ma petite Jodie tranquille là! Putain, elle est grosse la moto quand on regarde! C'est hallucinant. Bon, c'est Jodie qui est vraiment toute petite, mais vraiment énorme la moto quoi. Tenez votre position. Pas le choix. On va devoir passer tout droit. T'es prêt, Aiden? On y va. Aiden, j'ai besoin d'aide tout de suite. Tango.
On l'a loupé. Je répète, on l'a loupé. Elle va vers Baker Town. Pas deux fois pour me le dire. Allez, tout ça pour une femme quand même. Ton âme est à moi. Allez hop. Alors toi, je peux pas te toucher de toute façon. Ah, j'ai eu quelque chose là. Allez, hop, on écrase. Ça fait quel effet de sentir impuissant face à moi? Ça fait quel effet, hein? Allez, toi, t'es à moi maintenant. Allez hop! Toi tu vas mourir pas sexy! Allez! Fait que ça, c'est d'empêcher de les atteindre. Ah, on peut quand même péter ça. Je savais pas ça. La porte. Aiden, je peux pas entrer. Ouvre la porte. J'arrive. Allez, rentre. Je m'occupe d'eux, t'inquiète pas, baby. L'hélicoptère là, est-ce que je peux le prendre? Ah ouais, je peux. Allez, t'es à moi ma poule. Allez hop. Foutre la paix, d'accord? Parce que la prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. On y va, Aiden. Je crois qu'ils ont compris le message. C'est amusant parce que dans la démo, j'ai pas eu le même truc.
Je sais pas pourquoi, j'ai pas eu le... Ah mais non, mais attendez, c'est en fait le prologue, c'est on l'avait fait. Ah non, d'accord, ça va de droite à gauche, j'avais pas vu, d'accord. Tu vas quand même pas regarder par la fenêtre toute la journée. Essaie de trouver quelque chose à faire. Ah là là, cette vision, ça me donne déjà envie d'être à Noël, quoi. Ah, j'adore Noël. C'est vraiment ma fête préférée de l'année, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, donc? On pourrait s'asseoir. Bon, on pourrait s'arrêter les commandes. Bon, finalement, il y avait un intéressant à la télé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Maman, le Père Noël, il viendra quand? Ah, il faut d'abord qu'il vienne ramener ma cheminée, mon enfant. Quoi? Quoi? Ah, je veux des cookies. Le gâteau. Tu peux avoir un gâteau? C'est bientôt l'heure de manger, chaton. Si t'en manges un, tu n'auras plus faim pour le dîner. C'est une légende urbaine, ça. Le XVSK peut manger 150 gâteaux avant. Mon cœur, je dois préparer le dîner. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Je veux juste un cœur. Viens ici. Ça va mieux? Faut que je m'y remette, mon cœur. Je veux les gâteaux. Tu vois, parce que dans ce genre de cas, en fait, il y a un mini-timer invisible qui vous dit pas combien de temps ça va mettre, mais... Un peu comme dans Heavy Rain, il y avait un timer invisible au tout début, quand il y avait la famille et tout. Et en fait, il fallait faire toutes les activités pour avoir tous les trophées et tout, c'était assez chiant parce qu'il fallait le faire très vite. Enfin, si on voulait, après, on pouvait genre faire deux et après recommencer le début et après voilà quoi, mais bon. C'est vrai que pour le finir en un coup, c'était pas facile, hein, pour savoir exactement où il fallait aller à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est la pièce secrète du Pédobir! Je peux sortir. Jodie, où est-ce que tu vas? Nulle part, je voulais juste regarder dehors. Je peux monter? Ah, est-ce que si je peux monter? Ah, on va y voir ce qu'il y a en haut. Allez, mon enfant, c'est l'heure de monter. T'es brossé les dents? R1. What? Maman, il y a un fantôme! Putain, ça aurait pas se fait un screamer, quoi! Coup du monstre qui apparaît dans le dos, là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, elle fait que s'asseoir ou quoi? Ah non, il y a des Barbies. Bonjour Madame la Fée, ça vous dirait de venir chez moi pour prendre le thé? Oh oui, j'en serais ravie! Super, dans ce cas on n'a qu'à prendre ma voiture! Oh, j'adore votre voiture! Oui, c'est moi qui l'ai choisie et même qu'elle va vraiment super vite!
est. Allez, venez, c'est par là. Waouh, quelle belle maison vous avez. Oui, j'en suis très contente. Mon mari me l'a offerte pour mon anniversaire. Vous avez entendu le bruit quand elle a plié les jambes de la Barbie? Ça fait... un putain horrible. Vous voulez un peu de sucre dans votre thé, Madame la Fée? Oh non, merci. Et alors, comment va votre mari? Ça va, il travaille en ce moment. Il est vraiment très beau. Arrête ça, Aiden, je t'ai déjà dit, j'ai plus envie de jouer avec toi. Ah là là, ce Aiden, hein, toujours à foutre la merde dans la vie des enfants, hein. Allez, on va dessiner un peu. Qu'est-ce qu'elle va nous dessiner? Ouais, elle va faire des beaux cercles là. C'était une représentation d'Eden parce que c'était ça, c'était vraiment très laid. Elle n'a rien sur 10 à ton dessin. Hein. Waouh. Bon. Ah, il y a un chien qui hurle. Je sais pas si je peux jouer Eden. Ouais, bah bon, pas trop intérêt à jouer. Chérie, chérie, tu peux me rendre un service? Tu peux aller dans le garage me rapporter une bouteille d'huile? D'accord, je m'en occupe. Ouais, mais c'est où le garage? Bon, c'est forcément pas en haut, hein. À moins qu'aux USA, il y a des garages en hauteur. Bon, je sais pas ce qu'elle va prendre. Elle va pas prendre ses chaussures? Non, ça doit sûrement être la pièce spéciale qu'on avait vue. Ah, ça doit être là. Mais... putain! Wow. Eh bah putain, c'est une sacrée lumière, hein, ça. Oulala. C'est... très dark. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un mannequin, lol, j'avais pas vu. T'arrêtes d'essayer de lui faire peur, la pauvre petite. Fais enculé, va. Bah. Sur la porte, elle se referme, hein. Ouf! Ah bah moi aussi je ferais ouf! Tiens maman! Merci mon cœur. Je fais quoi maintenant? Parce que ouais j'ai pas déjà tout visité. Je peux jouer dehors! Maman! Hey, mon cœur. Oui? Pourquoi t'irais pas jouer un peu dehors? D'accord! Je t'appellerai pour le dîner. On va y jouer dehors. Et vous savez quoi? On va s'arrêter ici d'abord. Mode gros enculé de merde comme d'habitude. Ah mais bon, là ça va, c'est un petit truc sympa. Hein. Ouais, qu'on découvre maman, la maison et tout. Hein. Qu'on découvre que Aiden est un putain de sadique qui veut jouer avec mes nerfs. Et qui veut se la jouer Slender aussi apparemment. Bref, allez nous sur ça, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, France 5 Nord. N'oubliez pas d'avoir la... oui, attitude comme d'habitude avec Jatruy et Pococu. Vous connaissez la chanson, vous connaissez X, vous êtes dicton, je vois, je fais plein de poutou partout. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye et peace, peace!